Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Ah oui, j'en entends certains déjà dire « oui, mais c'était Metz relégable ». D'accord, mais encore fallait-il le faire dans le contexte qui était le nôtre, surtout quand on sait que les joueurs et Michel Derzakarian étaient conscients qu'ils étaient barragistes au coup d'envoi de ce match contre Metz. Alors ma foi, on ne peut retenir que du positif de cette rencontre. Constater qu'en dépit des vents défavorables au coup d'envoi de la partie, bien ma foi, nous avons fini par la remporter. Nous l'avons fini par la remporter assez nettement. D'ailleurs, sur le score de 3-0, c'est notre deuxième victoire à domicile. 3-0 grâce au premier but d'Issiaga Silla sur une magistrale passe de Jordan Ferry, le deuxième but de Molibo Sagnan sous les couleurs montpelliéraines et le cinquième sur penalty, but personnel de TJ Savagnier. 3-0, ma foi, ça nous permet d'avoir toujours la tête hors de l'eau. Alors, on ne regarde pas le classement ni le nombre de points acquis jusqu'à présent par notre équipe. Nous sommes 14e avec 22 points, mais vous verrez que peut-être, à l'heure du bilan, le Golaverage comptera. Nous avons derrière nous les Lorientais qui sont à moins 12, devant les Toulousains qui sont à moins 8. Et ce 7e clean sheet de la saison du MHSC permet à notre équipe d'être donc 14e avec un Golaverage de moins 3. Donc, ma foi, c'est une bonne opération. C'est un deuxième succès à domicile. Et il se faisait attendre, mais il fait du bien au bon moment avant d'affronter cette semaine de travail. Et avec le moral regonflé, la préparation pour le prochain déplacement. Ce sera dimanche à Marseille. Cette semaine, les entraînements vont débuter mardi à 16h. Mercredi, ce sera un entraînement à 10h. Jeudi, c'est à huis clos. Vendredi, 10h. Samedi, huis clos. Et le week-end, donc, le match au stade Vélodrome à 20h45 dimanche. D'ailleurs, ce sera une double confrontation montpelliéraine et marseillaise, puisque la Nationale 3 de Frédéric Garny et de Vitorino Hilton, le samedi, affrontera ici au complexe de Grammont l'équipe de réserve de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous avez tous les renseignements. Un détail quand même, on va remercier chaleureusement les 12 000 spectateurs présents ce dimanche pour encourager l'équipe de Michel Derzakarian contre Metz. Ils ont été très utiles, nécessaires et ils ont même été les garants du succès au fond. Et on espère que vous serez aussi nombreux au prochain rendez-vous à la Mosson. Ce sera contre le Racing Club de Strasbourg, on aura le temps d'en reparler. Allez, bonne semaine à tous.